nouveau déchaînement de violence à Bambari, dans le centre de la Centrafrique. Au moins une dizaine de personnes ont été tuées dans des représailles suite à l'assassinat de trois Peuls. Des membres de la société civile burundaise en exil, dont Pierre Claver Bonimpa, appellent la communauté internationale à prendre des sanctions à l'encontre du régime de Bujumbura pour ouvrir des négociations suite à la crise politique. Au Burkina Faso, le préfet d'Oursi, une localité située près de la frontière malienne, a été tué la nuit dernière par des djihadistes présumés. Le préfet avait déjà été attaqué en mars dernier. Au Soudan, Marc Laocoq, le chef des affaires humanitaires de l'ONU, a visité les camps de déplacés de Murtaï Koulba à Kadougli. L'ONU a besoin de 1,4 milliard de dollars cette année pour faire face à cette crise humanitaire.